Donc bonjour à tous, donc moi je m'appelle Aubin Le Billan, je suis moniteur guide de pêche depuis 2010 en Creuse. Donc je suis situé à Saint-Georges-la-Pouge, donc en périphérie du plateau de Mille Vaches. Donc c'est une région que je vous ferai un plaisir de faire découvrir. La truite, un peu mon poisson de prédilection avec les carnassiers. Donc en truite, on va surtout pêcher, alors moi ce que j'adore c'est l'ultra léger, donc on va pêcher avec des petits leurres, on va essayer de les leurrer. Je fais un peu de mouche. Donc pour traquer nos carnassiers creusois, j'ai une technique un peu de prédilection, c'est plutôt un mode de pêche donc qui s'appelle le flotte-cul, donc c'est une espèce de bouée gonflable où là on va avoir des palmes et se déplacer justement dans des endroits où personne ne peut aller, voilà, sur différents lacs ou rivières. Donc en termes de technique, une technique très simple, ça va être la pêche aux écrevisses, donc à la balance, donc là c'est destiné à tous les publics. Ensuite on va avoir donc de la pêche au cou, donc là c'est vraiment sur des étangs, sur un public relativement jeune. Puis ensuite si on monte un peu entre guillemets en gamme, donc ça va être du carnassier au leurre, et ensuite de la pêche de la truite, donc notamment soit à la mouche, soit à l'ultra léger. Je suis situé donc juste en bordure de plateau de Mille Vaches, donc mes spots un peu favoris. Donc pour le carnassier, ça va être surtout la Vaugelade, Vastivière, le Chamet, notamment le domaine de Montalétang. Et ensuite sur les parcours truites, donc moi il y a une rivière que j'affectionne tout particulièrement, c'est le Torion, donc rivière un peu mythique de la truite, où là on va pouvoir la taquiner, on va dire de l'ouverture jusqu'à la fermeture en utilisant différentes techniques. La Creuse, un territoire vert et bleu, donc moi j'aurai la chance d'aller vous faire découvrir des petits spots où pas grand monde va. Donc l'avantage d'avoir un 4x4, c'est qu'on peut se permettre de faire un peu de piste pour accéder à des zones de pêche où voilà, s'il y a peut-être 10-15 pêcheurs par an, c'est peut-être le bout du monde. Donc les trois mots qui vont déterminer un peu les prestations que je peux vous proposer, donc ça va être d'abord la nature, les cadres sauvages du plateau de Mille Vaches. Ensuite la découverte, parce que moi j'aime bien, le but du jeu c'est de rendre autonome mes clients. Et enfin c'est la convivialité.